Et salut tout le monde, c'est Mathilde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Slime Rancher. Donc là, genre vraiment, j'ai juste déposé les trucs et j'ai compté combien il me fallait. Donc pour avoir une ruche, il m'en faut 3. Donc je l'ai posé. Et donc après pour l'aide, donc en fait genre j'en ai mis pile 21 pour avoir un drone. Et un truc d'extraction. Parce qu'en fait genre là, il me faut du miel. En fait genre je sais pas comment est-ce qu'on fait le miel. Donc du coup... Ah mais ça c'est... Juste de la décoration qu'on débloque. Oh. Donc du coup, il me faut du rose. Le rose, on peut l'avoir facilement. On va essayer de faire un gros stock. Hein. On va essayer de se mettre full rose. Et le truc comme ça, va falloir qu'on attende la nuit. Donc là, il est 6h du mat. On fera ça donc juste après. Donc on va vendre. On va récupérer beaucoup de roses. Enfin, on va essayer de récupérer beaucoup de roses. Et ça sera bon. Voilà. Voilà. Oui aussi, on a le slime à aller voir. En vrai, on pourrait peut-être aller faire ça. Parce que pour le coup, il n'est pas inaccessible. Genre... On va aller faire ça. On va faire ça. Donc... Du coup, on va prendre des carottes. Je sais pas du tout combien il va en falloir, mais... Voilà. Déjà, on va se mettre full carottes, j'ai envie de vous dire. Ok, donc on a stocké... On va récupérer ça. Mais pourquoi ça... D'accord. Ça m'étonne. Donc on récupère ça. Pouille les pouille, pouille. Du coup. En fait, je me rends compte qu'il faut beaucoup de slime rose. Donc ce qu'on pourrait limite faire, c'est faire un enclos où on mettrait que du rose. Et le truc, c'est qu'ils ont pas de nourriture favorite, donc ça m'embête un peu. On peut pas s'amuser à, comment dire, dupliquer les trucs par deux. Donc du coup, c'est un peu embêtant. J'ai dit que ça, on allait le poser. Parce qu'en fait, genre, ceux de miel, ils mangent beaucoup. J'ai l'impression. Vraiment qu'on en ait mis beaucoup. Non, si, ils graillent comme des sacs. Il graille beaucoup. Donc du coup 10 et 10, ça c'est good. Donc oignon et betterave. Non, ils sont pas sur celui dans celui-là, donc ils sont dans l'autre. J'ai un doute sur le fait qu'on ait mis des carottes dans l'autre. Mais ouais, peut-être. Et des betteraves, j'ai un gros doute, mais je pense pas. Ah si, oignon. Bon, en vrai, je pense que ça, on en a assez, genre. Enfin, ils en demandent jamais trop, j'ai l'impression. Donc du coup, on va récupérer les carottes qui sont sur la route. Là, on va juste remettre ça un peu. Dans l'enclos des autres. Voilà. Donc. Il y a un téléporteur là-bas. Attendez. Chemin le plus petit. En vrai, on passe comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Il me faudrait vraiment les autres bots. Enfin, les autres bots, il me faut plus d'endurance en fait. Parce que j'ai l'impression que ça s'en va ultra rapidement. Bon, donc il va nous falloir beaucoup de roses. Donc sinon, on fait un énorme stock de roses. Je sais pas trop comment. C'est l'autre côté.
Ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais genre stocker les roses, le problème c'est qu'on peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que derrière, bah, ils mangent de tout. En fait, dès qu'il y a un surplus, en gros, il faudrait... Oh. Ça, on n'y a pas encore accès. Ouais, j'avais pas fait gaffe qu'en cliquant, on pouvait... Oh. Merde. Voilà. Ok, donc on a des slimes. Donc, voilà, il y a une orbe. Et il faut qu'on aille par là. Ok, donc on est obligé de passer par là. On va récupérer ça. Et je pense que quand même on sera pas mal. J'ai jamais fait gaffe qu'on avait ça. Restez là, comme ça au moins si vous transformez, on n'aura pas de problème. Et ok, c'est par là. Donc là, il est juste derrière la colline. Les pouets, donc là faut qu'on aille là. Ouais, voilà. Bon alors. Ah. Non, on va tout de suite vider ça. Ouais, voilà. Voilà, on va tous les nourrir, comme ça ils vont pas nous saouler s'il y a des trucs bien là. Ok, non. Non! Ouf. Ça, ok, mais on en a à la base. Et ouais, non, ok. Il y avait rien. D'accord. Donc ça fait pas de dégâts. Je sais pas, je me suis dit, vu que ça a l'air un petit peu chaud, on doit peut-être se prendre des damage. Mais non. Du coup, c'est cool. Par contre, elles sont très très belles, les fleurs. Ok, donc là, ça fait des espèces de cratères. Donc théoriquement, si on s'aventure là-dedans... Ouais, voilà. Ok. J'essaye d'analyser à chaque fois. Ok. Donc... Il y a quand même vachement de légumes. C'est ce que je suis en train de voir. Donc, s'il y a un gros slime, ça ne m'étonnerait même pas qu'il demande encore des légumes. Sauf que... Voilà. Voilà, voilà. C'était ce que je disais. Donc, légumes à gogo. Par contre, lui, c'est une grosse bouffe, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va... Putain, c'est quand même vachement beau. Je suis désolée, mais...
En fait, genre, je suis en train de me dire, pour les roses, là, quand je sais pas quoi faire. En fait, il me faudrait un truc pour les fusionner, mais genre qui rapporterait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Juste histoire de dire, et comme ça, moi, ils sont utiles. Pas que... Mince, comment on dit? Pas que pour la forge, en fait. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne à la base. Parce que pour le coup, je pense qu'on aura... Allez, monte! Jamais. Assez de légumes. Pour ce slime là. Donc, du coup, il est en hauteur, c'est ça. Hein. Ouais. Il est quand même bien fat, hein, j'ai envie de vous dire. Ah bah voilà! Oh, bâtard. Ok. Ok. Par contre, là, les huiles, je sais pas d'où ça sort, mais... ouais. Tiens. Du coup, faut que je me retépe. Faut qu'on rentre à la base, là. Et le TP est bien là. Ok. Go à la base. Ok. Oh. Donc du coup, comment est-ce qu'on rentre? On va reprendre ce chemin en vrai. Il est pas mal. Donc du coup, où c'est qu'il y avait une porte? On doit avoir une porte pas excessivement loin. Il va falloir qu'on prenne des fruits sur nous pour... Non, il va falloir qu'on aille se balader pour les fluos, enfin pour les phosphos. Et pour les... Mince. Les autres là. Les roses. Ouais, c'est ça, ils mangent rien. Enfin là, ils mangent pas. Ah mince, faut remonter. De toute façon, là, on est quasiment full. Donc ça sert à rien de chercher un truc qu'on peut pas acheter. Enfin, qu'on peut pas accumuler. Acheter n'importe quoi. Ok. En vrai, j'étais pas prête à ce qu'on ait autant d'huile. Bon, je sais pas à quoi ça nous servirait. Pareil pour les fossiles, mais... Pour le moment, je sais pas trop, c'est par là. En vrai... On pourrait se refaire un enclos. Pour faire des phosphos roses. On pourrait. On pourrait. Et puis il mange des pogo. Des pogo fruits. Donc du coup, ce serait bien. Avec 2000 de thunes. Est-ce que j'ai assez? C'est là. Théoriquement, avec 2000, j'ai assez hein, pour augmenter un truc au max. Bah, de toute façon, pour le moment, en fait, il me faudrait juste le... Alors. Corail. Coral, pardon. Quoi? Ça. Ça. Et ça. Donc du coup, ça... On n'a pas assez. J'aurais pas dû prendre le truc de musique. J'ai misclic, nous allons dire. Bon, c'est bon, en 2 secondes, je l'ai. Euh...
Hop. Faudra que je referme un peu d'argent. Non. Voilà. T'es pas un peu bug? Ils me font rire. Direct au guépi. Voilà, là on a assez, donc du coup on va aller récupérer des roses et des phosphos. C'est la nuit. Voilà, hop là. Dégage. Voilà. Là, il y en a plein des phosphos, ils ont pop. Hop, 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 hop. On va jeter tout ça. Et on va tout récupérer. On va tout récupérer et puis on verra à la base ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Donc du coup, hop. Hop. Il spawn beaucoup, hein. En fait, il spawn juste à l'infini. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon à savoir, ça. Bon, dans tous les cas, on n'aura pas besoin de temps. Et ils vont finir par être jetés, hein, les autres, clairement. Donc, du coup, on va aller là-bas. Parce qu'en fait, eux, ça va être que pour le farm en soi. Hein. C'est horrible de dire ça. C'est que pour le farm, wesh. Donc, du coup. Hop. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup là ou pas? Oups. Si il s'échappe, c'est pas grave concrètement ici, j'ai envie de vous dire. Ok. Ouais, je pense que là c'est bon, on a notre dose. Donc du coup. Et hop. Et donc là, on va mettre ça et ça. Donc, extracteur. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est ça. Oui, il va falloir ça. Donc, on va tout de suite chercher des pogo fruits pour eux. On va en chercher parce que je sais qu'on en amasse. Hein, voilà. Et on va les mettre dans leur enclos. C'est par là. On va en prendre 60 et puis on va mettre les 60. Hein. Ah non, c'est 50. Ah fait. Je croyais que c'était 60, je croyais qu'on avait pas 60, d'accord. Bah non. Du coup, on va là-bas. On va poser les fruits. Et fini. Hop. Voilà. Donc. Là, ça va être good. On va pouvoir avoir du miel, donc. Miel, je sais pas encore à quoi il va me servir, mais ouais. Bah si, pour faire les drones. Et pour le coup, les drones, ça va être bien. Comme ça, on va pouvoir automatiser la récolte. Et donc, dans ce cas-là, bah... Enfin, automatiser les récoltes, je pense que ça va être important. Et bah... Oh, il m'a fait peur. Oh, bref, automatiser les récoltes, ça peut être bien.
va tout balancer là. Hein. Hop. Et on va aller voir eux et puis on va leur poser. Donc là, je vais sûrement tout vendre en off. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye.